Coucou tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera des Chromebooks. Avec leur design moderne et minimaliste, le Chromebook est une bonne alternative à Windows. Le marché est inondé de nouveautés qu'on ne sait plus lequel choisir. Notre top 5 du jour vous aidera à y voir plus clair. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Go, c'est parti pour notre sélection du jour. On débute avec le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet. Ce Chromebook est en deux en un. En effet, on a la partie tablette qui est détachable ainsi que la partie clavier. On peut ainsi facilement passer de l'utile à l'agréable tout simplement en détachant le clavier Plug and Play de son Connect Pogo. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un 10 pouces 1. L'écran a une résolution de 1920 par 1200, la dalle est en IPS 400 nits. Il est entouré d'un cadre ultra fin lui donnant ainsi un petit côté classe. Ce petit bijou tourne sous le système d'exploitation Chrome OS et un processeur 8 cœurs MediaTek P60T cadencé à 2 GHz. Pour ce qui est de la mémoire vive, c'est un 4 Go. Il a une capacité de stockage de 128 Go. Ce Chromebook démarre très vite, seulement 8 secondes selon le constructeur. Il est plutôt fluide et ouvrira très facilement vos applications. Pour ce qui est des caméras, on va dire que c'est basique. Il en a deux, une à l'avant de 2 mégapixels et une à l'arrière de 8 mégapixels. Cet accessoire a comme connectique un port USB-C Gen 2. Il est également doté du Bluetooth et du Wi-Fi. Ce Chromebook est un excellent rapport qualité-prix. Ce Chromebook 4 est minimaliste. Simple et compact, il se glissera facilement dans un de vos sacs. En effet, il ne fait que 1,17 kg. Cet accessoire compact plaira à plus d'un, voyons voir pourquoi. D'abord son design, comme on vous le disait plus tôt, il est minimaliste. Effectivement, il a un look plutôt sobre, malgré le fait qu'il est de couleur gris argenté. Le cadre qui entoure l'écran est plutôt épais. La webcam est centrée, elle fait 720p. Pour ce qui est de l'écran, c'est un HD LED qui offre une résolution de 1366 par 768. Il est muni d'un anti-reflet. Elle renvoie un beau visuel grâce à sa carte graphique Intel UHD Graphics 600. Ce Chromebook opère sous Chrome OS, il a un processeur à double cœur Intel Celeron, processeur N4000, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage flash eMMC. Avec de telles performances, ce Chromebook peut effectuer de multiples tâches sans risque de bug. Pour ce qui est des connectiques, il est doté d'un port USB 3.0, un port USB-C, un emplacement pour une carte micro SD et une prise audio. Il est muni du Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi. Pour ce qui est de son autonomie, elle est de 12h30, dépendant de son utilisation. Donc elle peut tenir une journée facilement. Passons maintenant au HP Chromebook X360. Ce produit est techniquement convenable, et pas que techniquement si on peut se le permettre. Il a de belles finitions et de plus il est compact. Cet équipement ne fait que 1,65 kg, il est donc facilement transportable. Pour ce qui est de son écran, il est tactile. On est sur un écran de 14 pouces, la dalle est en IPS, il est revêtu d'un Corning Gorilla Glass NBT. Il a une résolution de 1920 par 1080. Voyons voir ses performances. On est sur un Intel Core i3 avec une mémoire vive de 8 Go de RAM. Pour ce qui est du stockage, il est de 128 Go eMMC. En ce qui concerne l'autonomie, elle peut tenir 13h30. Grâce au Chromebook OS, les performances et l'autonomie de la batterie sont plus optimales, vous offrant ainsi une bonne expérience d'utilisation. Ce Chromebook est muni d'une charnière à 360 degrés. Vous pouvez ainsi le transformer facilement en tablette. Avec son écran calibré et sa bonne performance, le Acer Chromebook fait partie incontestablement de notre top 5. Rien que son design nous plaît. Il a un écran 14 pouces protégé par un Corning Gorilla Glass. Il a une dalle IPS. Ce Chromebook est convertible 360 degrés, vous permettant ainsi de le transformer en tablette facilement. Pour ce qui est des performances, il est doté d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération. Il a une mémoire vive de 8 Go. Au niveau du disque dur, on est sur du 64 Go. Il offre ainsi un résultat optimal lorsqu'on effectue une tâche. Avec de telles performances, vient une bonne batterie. En effet, afin de pouvoir durer toute une journée, ce Chromebook est doté de charge rapide. Vous pouvez en seulement 30 minutes le recharger de la moitié de sa capacité.
Nous terminons notre liste avec le Chromebook Asus Flip C434. Ce Chromebook a tout ce qu'il faut pour qu'on succombe à ses charmes. Il aborde une couleur argentée, il est robuste, performant et stylé, quoi demander de mieux? Effectivement, l'écran est entouré de bordures plutôt fines. L'écran est un 14 pouces, la dalle est en IPS 300 nits. Il a une résolution de 1920 par 1080. Cet accessoire offre des images très claires et lumineuses. Pour ce qui est de la performance, il a trois options, notamment Intel Core i5-8200Y, M3-8100Y ou i7-8500Y. Il a une mémoire vive de 4Go ou 8Go. Avec de telles performances, cet accessoire ouvrira facilement chaque application. Vous pouvez ainsi travailler ou même écouter de la musique sans que cela pose de problème. En parlant de musique, il diffuse un son clair grâce à son microphone et son haut-parleur intégré. C'est toute une journée d'utilisation que vous aurez grâce à sa batterie en lithium. Ce Chromebook haut de gamme ne vous décevra pas. Voilà, nous sommes à la fin de notre top 5 du jour. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Laissez-nous également un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de notre top 5. On se dit à bientôt. Au revoir.